Alors oui, je vais vous faire une vingtaine de vidéos, bien sûr, à peu près toutes les semaines, il y aura à peu près 2 à 3 vidéos qui vont répondre justement à vos questions. Eh bien oui, voilà le dossier. Ouais, gros dossier. Et ça va être sur toutes vos questions que vous avez posées, que vous vous posez. Oui, j'ai essayé de regrouper toutes ces questions que j'ai trouvées sur Internet, que vous avez posées à Irina, que vous avez posées également à divers partenaires d'Irina. Donc j'ai essayé de tout regrouper, faire un gros dossier, et je vais vous faire une vingtaine de vidéos sur plusieurs semaines, 2 à 3 par semaine. Et oui, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Donc ces vidéos seront postées, eh bien, tous les samedis à partir de midi, je pense midi 1h, samedi après-midi. Et je pense que vous pourrez trouver toutes les réponses à vos nombreuses questions quand vous n'êtes pas encore allé déjà en Ukraine. Vous êtes allé qu'une ou deux fois en Ukraine. Et je pense que toutes ces questions, toutes ces réponses que vous devez, du moins, toutes ces questions que vous devez vous poser et que toutes ces réponses doivent être les plus honnêtes possibles. Alors oui, bien sûr, on vous fait les violons, on vous raconte tout et n'importe quoi, mais la réalité est des fois tout autre. Donc je pense que c'est important qu'aujourd'hui on vous apporte des réponses, mais surtout la réalité des choses. Comment ça se passe en Ukraine, quelle est la mentalité des femmes ukrainiennes, comment réagit une Ukrainienne, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, quel est son caractère, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, etc. Donc je pense que c'est très important qu'on vous réponde sincèrement, avec beaucoup de sincérité à toutes ces questions. Alors oui, on vous apporte des réponses parce que certains clients veulent entendre certaines réponses et des fois c'est pas du tout les bonnes, mais parce que voilà, il y a une certaine clientèle qui a envie, qui a besoin qu'on leur apporte ces réponses, donc on leur donne pour une signature de contrat. Ces agences se comportent ainsi pour justement mieux vous manipuler ou mieux vous vendre leurs services et pour qu'un maximum, bien sûr, d'argent rentre dans les caisses. Mais ensuite, attention, attention, ensuite la chute est violente et elle peut être dramatique également. Donc non, vous me connaissez, vous commencez à me connaître depuis 5 mois, je fais ces vidéos. Donc vous savez que j'ai un franc-parler, même si ça déplaît, tant pis, hein. Faut bien comprendre que moi je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil et puis vous dire qu'en Ukraine tout est beau, puis si si, oh si si, monsieur, bien sûr, monsieur, oui, tout à fait, monsieur, vous avez tout à fait raison, monsieur. Non, non, monsieur, parce qu'il ne faut pas fâcher le client. Déjà, je suis pas là pour vous vendre un service. Et puis même s'il y a des fâcheries, tant pis, c'est pas grave. Au moins comme ça, je suis clair, je suis clean, je suis honnête, tout simplement avec vous. Même si ça plaît ou ça déplaît, le plus important, c'est que vous entendiez des mots honnêtes qui viennent de moi et pas des âneries qu'on vous raconte. Et que dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, vous me disiez, tu nous as raconté des conneries pour qu'on passe un contrat chez ton épouse ou que tu nous as totalement dit des âneries et tu nous as mal aidé, mal conseillé et qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation. Alors soit on est seul, on est toujours seul, on a dépensé beaucoup d'argent et on n'a pas abouti à ce que nous voulions, ou tout simplement, eh ben vous serez en divorce, dans une situation de divorce. Parce qu'on vous a apporté les mauvaises réponses, parce qu'on a manipulé certaines dames des campagnes pour qu'elles vous épousent rapidement, ou qu'elles vous rencontrent rapidement également, et que vous serez dans une situation catastrophique financièrement peut-être, ou tout simplement au niveau du cœur, qu'au niveau sentimental, votre situation
sera triste, peut-être intolérable également pour vous. Donc, je vais vous donner les vraies réponses. Alors, peut-être que ça vous déplaira. Bah, tant pis, hein, soyons clairs. Je connais l'Ukraine depuis 15 ans, ma femme est ukrainienne, mes amis sont ukrainiens. Donc, je pense que le principal dans mes vidéos, mon principal but, je vais y arriver, c'est de vous donner les bonnes informations et dans ces vidéos. Ben, je vais vous les apporter. Alors, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!